Après s'être fiancée en septembre 2019, la princesse Béatrice et Eduardo Mappelimosi avaient à cœur de se marier dans les mois suivants. Néanmoins, à cause de la crise du coronavirus, les deux fiancés avaient dû décaler leur union. Et ont enfin pu se marier vendredi 17 juillet dernier. Les deux tourtereaux se sont passés la bague au doigt en la chapelle de Windsor, devant une petite vingtaine de convives triés sur le volet. Parmi les quelques invités, figuraient des membres de la famille royale britannique comme la reine Elisabeth II, son mari le prince Philippe, les parents de la mariée le prince Andrew et Sarah Ferguson, ainsi que sa sœur cadette, la princesse Eugénie. Mardi 21 juillet, soit 4 jours après le mariage de la princesse Béatrice, sa mère Sarah Ferguson a tenu à féliciter sa fille aînée. La duchesse de York s'est emparée de son compte Instagram, et a partagé une citation de Denis Whiteley. Le bonheur ne peut être voyagé, possédé, gagné, porté ou consommé. Le bonheur est l'expérience spirituelle de vivre chaque minute avec amour, grâce et gratitude. Une mère très fière puis, la duchesse âgée de 60 ans a ajouté un court texte, rédigé par ses soins. Elle a commencé par un message de remerciement, merci à toutes ces personnes si spéciales et gentilles qui ont pris le temps et les moyens de nous envoyer des messages remplis de soutien et de générosité. Puis, Sarah Ferguson a exprimé sa fierté envers ses deux filles, « Jamais une mère n'a été aussi fière que moi, avec les mariages d'Eugénie et Jack, puis ensuite l'adorable mariage de ma Béatrice à son cher Edo. » Pour conclure, Sarah Ferguson a tenu à adresser un tendre message aux deux mariés, qui font désormais partie de la famille royale britannique, « Je suis si chanceuse avec mes filles, et maintenant j'ai les meilleurs beaux-fils. » Nul doute que son message a dû toucher les cœurs des 4 jeunes mariés. D'autant plus qu'elle avait tenu un rôle spécial au mariage de la princesse Béatrice, avec une lecture de poème très symbolique. I think.